بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 7 sur le cours des nombres complexes niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Déterminer les valeurs de lambda telles que le nombre complexe z qui est égal à lambda plus i facteur de lambda plus 5 moins i facteur de lambda moins 7 est un imaginaire pur. Réponse. On va écrire la forme algébrique de z. On a z est égal à lambda plus i facteur de lambda plus 5 moins i facteur de lambda moins 7. Je développe. Lambda fois lambda, c'est lambda au carré. Lambda fois 5, c'est 5 lambda. Moins i lambda fois lambda, c'est lambda au carré. Moins 7 lambda. Moins i fois lambda, c'est moins lambda i. Moins i fois 5, je m'excuse, plus i fois lambda, c'est lambda i. Plus i fois 5, c'est 5i. Plus i fois moins i facteur de lambda moins 7. I fois moins i, c'est moins i au carré est égal à 1. Donc, c'est plus lambda moins 7. Ceci est égal lambda au carré. 5 lambda plus lambda, c'est 6 lambda. Moins 7, ça c'est la partie réelle, plus i, facteur 2, moins lambda carré, plus 7 lambda, oui, moins lambda au carré, plus 7 lambda, plus lambda, plus 5. Ceci est égal à lambda au carré plus 6 lambda moins 7 plus i facteur 2 moins lambda au carré plus 8 lambda plus 5. Z est un imaginaire pur, c'est-à-dire cette partie réelle doit être nulle, n'est-ce pas? Z est un imaginaire. Pur, ceci équivaut à lambda au carré plus 6 lambda moins 7 est égal à 0. Ceci équivaut à lambda au carré moins lambda plus 7 lambda moins 7 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que lambda facteur de lambda moins 1 plus 7 facteur de lambda moins 1 est égal à 0. Et je peux factoriser maintenant cette expression mathématique. Ça donne lambda plus 7 facteur de lambda moins 1 est égal à 0. Ceci veut dire que lambda est égal à moins 7 ou lambda est égal à 1. Si vous voulez, lambda appartient à l'ensemble formé par les deux éléments, moins 7, 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.